Je roule, vous dis-je, et je n'arrive pas à ouvrir cette boîte. Oh, ce n'est donc cela. Mais ce n'est pas d'un guérisseur ou votre apothicaire dont vous avez besoin, mais d'un dérouilleur. Ah, ça, pour avoir dérouillé. Ah, ça oui, il a dérouillé. Je vous dis que compte tenu des assaillants qui étaient supérieurs en nombre, nous avons dérouillé. Ah, ben ça, on a dérouillé, oui. Mais pour éviter la débandade et le déshonneur, nous nous sommes échappés en traversant le ruisseau, qui en cette saison est haut, ce qui a provoqué la rouille de mes articulations. Compliqué. J'avoue ne pas tout comprendre, hein, mais bon, du moment que tout fonctionne autrement, car il ne manquerait plus qu'après avoir ouvert la boîte, vous ne soyez plus bon à consommer. Très drôle, très drôle. Oui, dans une super humeur. Bon, faites-moi donc quel air Philémon, là. J'en ai plein le haut. Home sweet home. Philémon, messieurs les marques vous demandent. Et apparemment, ça urge. Dites donc, vous, je vous ai pas vu pendant la buscade. Vous étiez où? D'ailleurs, je ne vous vois jamais. J'étais embusqué, messire. Loin, très loin derrière vous. Hein. Je formais pour ainsi dire une sorte de tenaille, au cas où l'assaillant viendrait à faire de vous porter. C'est ça. En tenaille, dites-vous. Oui. Loin derrière moi. Oui. Et vous étiez combien? Eh bien, j'étais seul, messire. Oui, mais je conservais ainsi l'effet de surprise. Oui, bah, c'est bien. Allez, venez donc m'aider à nous dire des bêtises, là. Ah, ça, vous êtes qui, vous? J'ai fait guérir Philémon. Je veux Philémon. Philémon, où êtes-vous? Philémon est parti en pèlerinage, en Terre Sainte. Je le remplace. Je suis mère Hildegarde, abbesse du couvent de Saint-Aubin aux pieds nus, à Montfaucon. Mais vous êtes une femme. Effectivement, malgré ce haut, vous êtes d'une perspicacité à toute épreuve, cher baron. On ne peut vraiment rien vous cacher. Mais vous êtes une femme. Mais vous vous répétez. Ne vous inquiétez pas. Cela fait plusieurs mois que je suis en formation discrète avec Philémon. Je connais toutes les ficelles du métier du conseiller de baron. Bien. Et puis de nos jours, il faut respecter la parité. C'est quoi ces bilvesées, la parité? Oh là là, vous avez vu ses yeux là, on dirait deux dagues. Oh là là, moi je crois que je vais faire avec. Hein. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Mère Hildegarde, vous allez sûrement me tirer d'un mauvais pas. Comment se fait-il que je rouille à ce point que je ne puisse dérouiller? Messire, la qualité du métal n'est plus qualité. ArcelorMittal, notre forgeron, me le disait encore hier. Il a beaucoup de difficultés à trouver des métaux de qualité à des prix raisonnables. Résultat, il est obligé d'importer de l'autre côté des mers des produits à bas coût. Ah, Bakou. Quel est donc ce pays ainsi nommé Bakou? Mais ce n'est pas un pays, messire, mais une tendance. Les gens veulent tous une armure et une épée pour pas cher. Ils veulent tous être équipés. Et c'est à qui aura la plus grosse? C'est moi, évidemment. Mais je parlais de l'épée, messire. Oui, bah moi aussi, bien sûr. Oui. Bref, avec cette tendance, les forgerons répondent à la demande. Mais la qualité n'est plus du tout la même. Attendez, là, vous êtes en train de dire que nos armures ne sont pas sûres, c'est ça? Mais alors, ça change tout. Je dis que ce n'est plus ce que c'était. Voyez, par le passé, au cours d'une bataille, vous preniez un coup de masse, voire un coup de massue, ou un coup d'épée, vous aviez plutôt plus une rayure. On appelait ArcelorMittal. Il donnait ça à son ouvrier, Teuton, Karl. Ah, Karl, ce cher Karl, Karl, ce bon Karl-Glas, vous avez un petit coup de polish et hop, comme neuf. Karl-Glas répare, Karl-Glas remplace, comme il disait. Mais aujourd'hui, on ne répare plus, on remplace tout. On vous change l'écolière ou le plastron, et comme il travaille en flux tendu,
Il faut faire fabriquer ou faire venir. Bref, pour une éraflure, messire, soit vous loupez la bataille, soit vous demandez une armure de courtoisie. Ah bon, eh bien, courtoisie ou pas, allez, va falloir m'aider à ouvrir cette boîte. Hein. Allez. Oui. Venez avec moi, messire. Nous allons aller chez le forgeron. Oui. Messire, doit avoir un ouvre-bac, le forgeron. Messire, il serait peut-être judicieux de faire vérifier l'état de nos armures. Il est important que les camarades soldats combattent dans de bonnes conditions de sécurité. Mais d'ailleurs, je vais mettre ça à l'ordre du jour du prochain CE. Hein, CE? Ah oui, le CE, le comité d'entretien. C'est quoi la norme à ce sujet, là? Ah, faudrait que j'en parle au prochain CHSCT. CHSCT? Bah oui, la commission de sécurisation pour les combats terribles. Le CHSCT. Oui, 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 bah c'est ça. Mettez ça à l'ordre du jour et renseignez-vous. Mais pour l'instant, aidez-moi. Ouais, parce que si nous, on n'a qu'à pas avec un prof, avec les camarades, à ce moment-là, on fait voler notre droit de retrait. Oui. Alors, vous allez voir. Oh, oui. Bien heureuse, Jeanne. Tu chantes? Ah oui, je chante, ma bonne Viviane, mais mon cœur est triste. Et puis j'ai la quenouille qui filoche. Pour la quenouille, ce n'est pas grave. Mais pour le cœur... Je suis amoureuse! Ah bon? Mais ce n'est pas une maladie, ça! Ah, je ne sais pas, mais si c'en est une, en tout cas, elle fait souffrir, la maladie d'amour. Ah oui, ça, pour ça, elle fait souffrir, la maladie d'amour. Et le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Mais alors, pourquoi es-tu si malheureuse? Ton amoureux, l'âne, dont tu me parles si souvent, ne t'aime pas. C'est un amour sans retour. Non, enfin, il m'aime, il m'écrit des poèmes. Mais alors, tout va bien. Thank you.
donne chez le baron une pièce de Pascal Géraud. Les décors ont été assurés, enfin fabriqués, confectionnés, réalisés par Frédéric Perraudeau. À la technique, parce qu'il en faut toujours un, c'est Sylvain Masseron. Merci, merci, parce qu'il est souvent dans l'ombre et ça nous arrange. Merci, merci. Demain, il y en a une autre, hein, alors il ne faut pas hésiter à en parler si vous avez rigolé ce soir. Hein. Mais pour ce soir, vous avez pu applaudir dans le rôle de la mère abbesse Hildegarde, qui en a trois, vous avez vu, hein, oui. Trois, mais quand même, Catherine Levan. Pour être plus près de ce rôle, elle ne s'est pas lavée depuis septembre dernier, Sandrine Chaland. Qui entend des voix et qui a peur de brûler. Mais qui ne brûlera pas, sauf de talent. Élise Géraud Maudet. Madame la baronne qui est prête à se sacrifier pour la baronnie, chaude comme la braise. Enfin, sa fille d'ailleurs a un peu peur d'elle, hein, parce que Jeanne, consumée, tout ça, enfin bref. Mais bon, je peux y aller. Christine Després. Qui a repris le rôle cette année en acceptant de remplacer au pied levé comme ça aussi Pascal Géraud, pour qui nous avons une très grande pensée ce soir, Jean-Pascal Maudet. La plus ancienne de la troupe, mais j'avais pas menti, elle papouille, Arlette Mallet. Bien sûr, on a notre garde syndicaliste, Gilles Brouard. Dans le rôle de Dan et metteur en scène, Nicolas Bouchereau.